viennent de temps en temps pour m'interroger. Pourquoi toutes ces épreuves se succèdent dans ta marche? Car tu as confié toute ta vie à ton soi-disant Seigneur. Alors dis-moi le pourquoi de toutes ces peines. Dieu n'est pas obligé, il n'est pas obligé, il n'est pas obligé de me dire le pourquoi de ce que je vis, de ce que j'endure. Il n'est pas obligé de tout me révéler, car il a toujours raison. Oh, oh, oh. Il a toujours raison. Mon Jésus. Pour l'interroger, pourquoi toute la colère du ciel s'abat sur ta vie? Et pourtant tu es un homme droit et intègre devant Dieu. Pourquoi ces afflictions arrivent dans ta maison? Dieu n'est pas obligé, il n'est pas obligé, il n'est pas obligé de me dire le pourquoi de ce que je vis, de ce que j'endure. Il n'est pas obligé de tout me révéler, car il a toujours raison. Oh, oh, oh. Satan est allé voir Paul pour l'interroger, lui disant: tu pries pour les malades et ceux-ci sont guéris. Mais qu'en est-il de ta vie et de ta propre santé? Tu as prié, mais il t'a dit: ma grâce te suffit. Il n'est pas obligé, il n'est pas obligé, il n'est pas obligé de me dire le pourquoi de ce que je vis, de ce que j'endure. Il n'est pas obligé de tout me révéler, car je suis la victime de la volonté du Seigneur. Il sait ce qu'il fait et il sait comment me conduire. Mais je sais une chose, que c'est par les épreuves et les peines que mon Seigneur taille mon caractère. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. Il n'est pas obligé, il n'est pas obligé, il n'est pas obligé de me dire le pourquoi de ce que je vis, de ce que j'endure. Il n'est pas obligé de tout me révéler, car il a toujours raison. Mon Jésus. Il a toujours raison. Il a toujours raison.
ne comprend pas.